Salut les gameuses et les gamers et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, on s'attaque au violent God of War. Le premier épisode est sorti le 22 mars 2005. Le jeu a été développé par Santa Monica. Le studio a été créé en 1989 avec pour objectif, je cite, de faire des jeux fun qui se vendent. Un but plutôt original, je veux dire, c'est vrai, regardez les développeurs des Europa Universalis, ils font des jeux chiants qui se vendent pas et ils ont raison. Bon, du coup, ils ont sorti Kinectica sur PS2 en 2001, un jeu moyen qui s'est vendu moyennement, comme le dit lui-même Tim Moss, le programmeur en chef du studio. Pas une réussite pour Santa Monica, donc. Sony leur demande alors de créer une nouvelle franchise. Puis, ils ont l'idée d'un jeu d'action plateforme qui utiliserait des éléments de gameplay de Devil May Cry et Onimusha, mais aussi d'Ico. Et ouais, le sang et les tripes, c'est rien face à la poésie. Le jeu devait être relativement difficile tout en restant accessible, casual hardcore comme on dit. David Jaffe, le directeur du jeu, ajoute alors l'univers de la mythologie grecque au projet, son univers préféré. Ceci dit, il n'empêcha pas l'équipe d'ajouter sa patte personnelle au mythe grec. Il a même déclaré s'inspirer du film Le Choc des Titans de 1981, mais en le mixant avec le magazine Heavy Metal. Il souhaitait en effet ajouter des thèmes très adultes comme la violence et le sexe. Une seconde source d'inspiration fut un autre film de 81, Indiana Jones et l'Arche perdue. Il désirait en effet que le joueur ressente ce qu'il avait éprouvé enfant en voyant le film, mais ne souhaitait pas pour autant que le joueur soit un simple aventurier. Pour le citer, il ne voulait pas faire du Zelda. Il ajouta même que le jeu était fait pour être simple et linéaire, déclarant que God of War n'était ni novateur ni unique, et que c'était volontaire. C'était dans le but de forcer l'équipe à créer des contenus toujours plus intéressants pour faire avancer le joueur. Dès le début du développement, l'équipe visa 60 images par seconde constantes. Effectivement, vu la dynamique du jeu, c'était absolument nécessaire. L'équipe dut alors progresser avec beaucoup d'attention en optimisant tout au maximum. Ceci dit, l'équipe du design fut toujours mise en avant, histoire que le gameplay reste fun et que le jeu ne soit pas une simple vitrine technologique. Ça peut sembler évident, mais assez peu de studios procèdent de cette manière. D'ailleurs, il n'y eut que 7 programmeurs sur le jeu, ce qui est un chiffre très faible sur un jeu de cette envergure. Tim Moss, le directeur technologique du jeu, mit en place une règle simple afin d'aider à optimiser les idées. Il évoque en ce sens le syndrome de l'objet brillant. Il parle là de l'idée soudaine et qui peut sembler très bonne quand on l'a, mais qui, si ajoutée tout de suite au projet, peut complètement ruiner quelque chose de bien rodé. Du coup, une règle de 3 jours fut appliquée. Si l'idée était proposée 3 jours de suite de manière motivée, elle était alors retenue. Cela permit de supprimer les idées éphémères et de repérer les vraies bonnes idées. Une des plus importantes décisions fut de faire un open space pour l'équipe. Cela facilitait évidemment les conversations et renforçait la sensation d'être en équipe. De plus, ça permettait d'éviter que les membres de l'équipe ne fassent rien de leur journée. Les niveaux avaient 16 mégabits de mémoire disponibles par groupe de 2. En conséquence, chaque designer devait optimiser son niveau afin que le suivant puisse être complété sans souci. Cela permit d'améliorer la fluidité générale du jeu et l'esprit d'équipe. Pour la création de Kratos, le héros du jeu, David Jaffe souhaitait créer un personnage visuellement brutal, mais qui ne ressemble pas au classique héros grec. Il donna à l'équipe artistique plusieurs termes pour le définir. Brutal, méchant, violent, antisocial, enrogne, énervé et... allez vous faire foutre. Oui, Fuck You faisait partie de la définition du personnage. Malheureusement, il n'y avait encore que très peu d'éléments scénaristiques pour poser le personnage. Du coup, Jaffe leur conseilla de dessiner tout en étant en colère. Ils partirent alors sur un personnage au visage masqué. Cette option fut finalement supprimée car cela retirait toute âme au personnage, lui empêchant d'avoir une personnalité marquée. Quelques pistes graphiques de l'époque contiennent des éléments assez étranges, comme celui-ci avec un bandeau sur les yeux, mais surtout un bébé dans le dos. Un autre avec énormément de détails et de la fourrure. Certaines pistes sont d'ailleurs présentes en tant que costume bonus dans le 3e épisode. Progressivement, l'équipe retira des pièces d'armure à leur concept pour rendre le personnage plus sauvage. Une fois le design final sélectionné, il faillit avoir des tatouages bleus. Cela fut modifié car l'un des créatifs préférait le rouge. Les doubles épées enchaînées furent pensées comme armes de base car elles reflétaient l'aspect animal du personnage et fluidifiaient le combat. L'une des inspirations du personnage est Jack Hequet du film L'âme des guerriers. Et oui, le personnage est assez... violent. On parle de Kratos, mais savez-vous qu'il existe bel et bien un Kratos dans la mythologie grecque? C'est un dieu mineur du pouvoir, de la puissance et de la force. Il est même censé avoir enchaîné Prométhée et était le gardien du trône de Zeus. Pour les combats, l'équipe voulait s'inspirer de films. Ils en regardèrent alors plein, mais se rendirent compte que les combats étaient assez fades et peu violents, ne trouvant qu'un ou deux films peu connus ayant la violence qu'ils recherchaient. En parlant de violence, la décapitation des Gorgones a été l'un des processus les plus longs du développement. Il a été refait des dizaines de fois car le directeur du jeu ne trouvait jamais cela assez sanglant. Élément retiré du jeu, une petite fée qui devait suivre le héros. Oui, comme Navi dans Ocarina of Time ou Puck dans Berserk. Ceci dit, vers la moitié du premier niveau, Kratos en avait marre et finissait par la tuer. Le rêve de tout joueur dans Zelda. Autre chose tristement retirée, les cyclopes, ces créatures majestueuses, devaient avoir des pénis tout aussi majestueux. Et ouais, on a le droit de voir des seins, mais pas de bite, triste. Ceci dit, ce n'était pas simplement prévu pour le plaisir ultime de voir un chibre, mais bien pour que les monstres apparaissent comme de simples animaux, se baladant dans la nature, nus comme des vers. Il y eut pas mal de monstres modifiés au cours du développement, comme le centaure, qui aurait dû être beaucoup plus flippant, sans peau. Le cyclope, lui, est passé par 6 versions différentes. Parlons un peu des niveaux supprimés du jeu. Il aurait dû y avoir un passage avec les ailes d'Icare, comme le montrent des démos techniques, mais le temps l'en empêcha. De même, on était censé monter sur le dos de Chronos lors d'un niveau où il fonçait vers le joueur qui escaladait une montagne. Cela fut remplacé par une simple cinématique. Un niveau, montré notamment à la presse, reposait sur une plateforme mouvante que le joueur devait parfois quitter et rattraper par un chemin parallèle. Le travail de finition de ce niveau aurait été trop long. Un autre niveau supprimé était une sorte de labyrinthe où les murs se soulèvent de temps en temps. Pour finir, il devait y avoir un boss gardant la boîte de Pandore. Il ressemblait à une sorte d'aigle de feu et l'on devait utiliser ses œufs comme point faible, Kratos cassant les œufs et tuant les fœtus d'oiseaux géants. À la fin du jeu, vous trouvez 2 statues. Si vous les frappez de très nombreuses fois, elles se détruiront, affichant un numéro. Si vous appelez ce numéro, vous tomberez alors sur une conversation où Kratos et le directeur du jeu discutent. Kratos finit par le tuer. Il existe un autre numéro de téléphone si vous terminez le jeu en difficulté maximum. Dans celui-ci, Kratos vous félicite et vous apprend ce qui est arrivé à Arès. Petite info intéressante sur la mythologie grecque. La plupart des monstres que vous affrontez dans le jeu sont en fait les enfants d'une seule et même femme. En effet, Echidna est la mère du Cerbère, de l'hydre, de la chimère, du sphinx et même de l'aigle qui mange gentiment le foie de Prométhée tous les jours. Une meuf sympa. Petite info sympa, le symbole mâle, le rond avec la flèche là, est en fait une représentation de la lance et du bouclier du dieu grec de la guerre, Arès. Et ouais, de même le symbole femelle, le rond avec la petite croix, correspond au miroir d'Aphrodite, la déesse grecque de la beauté. On va maintenant aborder les nombreuses adaptations de God of War. En 2005, une adaptation cinématographique a été annoncée. Le directeur du jeu a même confirmé qu'un script avait été écrit par David Self, à l'origine notamment des Sentiers de la Perdition. Le rôle du chauve cendré fut proposé à Daniel Craig, le meilleur James Bond avec Sean Connery, mais il refusa. Le film fut finalement annulé, à cause notamment de 300 et les Immortels, trop proches des thèmes du jeu. En 2012, un nouveau projet de film émergea, avec comme but d'humaniser Kratos et d'explorer son passé. Arès aurait alors eu un rôle de méchant. Et franchement, quand on sait que les Grecs faisaient des sacrifices de chiots à ce dieu, on comprend qu'il a le profit du méchant de base. Et plus de nouvelles depuis 2012, où le projet avait alors un budget de 150 millions $, mais toujours pas de réalisateur. Il existe un album dénommé God of War, Blood and Metal. C'est un hommage de plusieurs groupes de heavy metal à la série. Et c'est la deuxième fois de cet épisode que je dis heavy metal, et ça c'est la classe. Aux États-Unis d'Amérique du Nord, que même que c'est là-bas qu'ils ont inventé la liberté et les hamburgers, dans ce beau pays donc, sont sortis 6 comics God of War. Ils ont été plutôt mal notés par les critiques, mais bon, si vous êtes fan. Pour en finir avec les adaptations diverses et variées, il existe un roman du jeu. Il a été écrit par Matthew Stover et Robert E. Vardaman. Il décrit plus en détail l'histoire du jeu et notamment l'implication d'Athéna. Ceci dit, il manque des parties de l'histoire, notamment la rencontre avec Hadès. D'ailleurs, petit passage Disney. À la base, dans le dessin animé, Hadès devait être beaucoup plus lent et maléfique dans sa voix. C'est l'acteur James Wood qui a changé sa façon de parler. Il a aussi improvisé beaucoup des dialogues. Et je m'arrête ici pour God of War. Et ouais, je ne fais que le premier épisode, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus à dire sur la série et qu'il y aura une suite à cet épisode. Et bien du coup c'est fini, alors restez branchés et continuez de surfer sur les internets.